Dans l'actualité encore, parlons à présent éducation. Le syndicat national de l'éducation n'a pas défini clairement sa position sur l'avis de grève déposé par le SLEG, le SNE, au cours d'une conférence de presse animée ce mardi. S'est contenté tout de même d'expliquer les conditions de vie des enseignants et le système éducatif guinéen dans son ensemble déficitaire. C'est un reportage de Djibril Ba et de Mohamed Aloussène Camara rendu par Alseni Bari. Le syndicat national de l'éducation, né sur un fonds baptismal à Kindia le 7 septembre dernier, est pour sa première fois face à la presse pour lui expliquer le combat commun qu'il mène avec les autres associations syndicales similaires. Ce combat, selon son secrétaire général, est comment rendre performant le système éducatif guinéen et éviter toutes les manipulations possibles nées d'une revendication salariale des enseignants. Si nous allons nous prostituer à cause d'un régime qui est passager, à cause d'un président qui va passer ou à cause de quelqu'un qui va nous donner des miettes, mais on va se salir pour rien. Nous, on regarde les gens dans les yeux pour dire que nous sommes loin d'être des corrompus. Si on était des corrompus, on avait fait des déclarations pour les attaquer, pour dire, bon, l'ouverture, il faut que les élèves partent en classe. Mais vous n'avez jamais, depuis mes déclarations dans les médias, personne ne le dira que j'ai fait cas à l'autre camp ou bien j'ai tenu des propos qui les diffament. On n'a jamais fait. Le SNE, pour le moment, n'a pas donné sa position sur l'avis de grève déposé par le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée, dirigé par Aboubacar Souman, qui attend à nouveau la reprise des négociations avec les autorités. Et ils sont dans le domaine du traitement salarial, c'est bien. Si ça réussit, ça bénéficie à nous tous. Ces conférenciers sont convaincus que les 8 millions réclamés comme salaire de base par les enseignants peuvent faire l'objet d'une longue concertation. Mais à dire, précise Balamou, que cette revendication peut être une réalité, cela n'est qu'une illusion. Moi je vous dis, je suis formateur à la CENI. Je vais souvent dans les missions électorales. Quand j'ai vu mes camarades, ah bon, quand on va donner les 8 millions, moi je vais épouser une deuxième femme. Quand on va donner les 8 millions. Donc il y a des gens qui croient à ça comme parole d'évangile. Pour l'heure, rien ne dit que la rentrée du 3 octobre, fixée par le ministère de l'Éducation nationale, sera une réussite. La Confédération syndicale autonome des travailleurs et des retraités de Guinée condamne fermement la détention du secrétaire général du syndicat des employés du port autonome de Conakry. Elle estime que les lois qui régissent le fonctionnement du syndicalisme en Guinée ont été violées et exige sa libération. Djibril Ba, Abdoulaye Camara. Toutes les lois du pays sont presque violées, estime le secrétaire général de la COSATREG. Pour Elaz Yamoussa Touré, c'est une pratique courante. Ce qui est paradoxal, d'ailleurs, selon lui, c'est la violation des lois syndicales. La nette violation manifeste et flagrante des lois de la République, parmi lesquelles nous dénonçons avec véhémence celles qui régissent le mouvement syndical guinéen dans son ensemble. En aucun cas, un syndicaliste dans le cadre de la défense des intérêts des travailleurs ne doit être inquiété, a-t-il indiqué. Comment comprendre l'acharnement de la haute autorité contre les syndicalistes en les arrêtant arbitrairement, en les emprisonnant de façon illégale pendant qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions régaliennes. La COSATREG proscrit la détention de Cheikh Touré et réclame sa libération. Nous dénonçons et condamnons l'arrestation et la détention de notre camarade Cheikh Chérif Touré, secrétaire général du syndicat du port autonome de Conakry. Face à cet acte illégal, nous exigeons sans délai sa libération. La COSATREG demande une action de solidarité au niveau de toutes les forces vives de la nation. Si rien n'est fait pour que le secrétaire général du syndicat des employés du port autonome soit libéré. On en vient à cet élément annoncé au sommaire. L'usine d'alumine de Fria ne fait pas seulement des heureux en offrant de l'emploi à la population. Elle serait aussi à la base de la souffrance de certains villages et districts qui côtoient les carrières de cette usine. Les habitants de Bokibo crient au secours suite à la dégradation de leur environnement. Malik Sandiana Camara, Mamadouba Bangoura signent ce reportage. J'étais enceinte, couchée sur la natte. Il y a eu un grand bruit dans la carrière et mes maux de ventre ont commencé. Finalement, j'ai accouché et mes enfants jumeaux n'ont pas survécu, étant déformés. C'est le témoignage d'une dame qui a perdu ses enfants jumeaux lors de l'accouchement. Pour elle,
C'est bien l'effet des explosifs utilisés dans les carrières qui a causé cette perte. Les séquelles affectent sa santé. Salih Camara n'est pas la seule. On a un petit en bas ici, toutes ses deux oreilles n'entendent plus rien, dû à l'explosif de la carrière. Nos toitures sont couvertes de poussière. Quand il pleut, l'eau qu'on obtient dans les récipients est rouge. Les habitants de Bokibo, tous contre la dégradation de leur environnement, dénoncent les dommages causés par les carrières de l'usine Frigia sur leur localité. Les produits chimiques ont envahi nos marigots. Nos plantes ne produisent plus. On n'a pas où boire. Les femmes n'ont pas où faire leur jardin. En plus de cela, il n'y a aucun de nos fils qui travaille dans cette usine. Pourtant, parmi eux, beaucoup ont fini l'université ou l'école professionnelle. Avant que les autres ne tirent profit de cette usine, c'est nous d'abord qui devons en profiter, mais rien. Après plusieurs démarches auprès de l'autorité préfectorale sans suite favorable, les habitants de Bokibo envisagent de fermer les carrières de l'usine jusqu'à la satisfaction de leurs réclamations. De nos jours, nous n'avons plus de plantations, plus de terres cultivables, pas de maisons, on ne possède plus rien. Si Dieu le veut bien, le vendredi prochain, nous irons fermer la carrière. Le seul marigot où cette population venait s'approvisionner en eau et en poisson est devenu impropre à la consommation. Les terres cultivables sont appauvries par des produits chimiques utilisés dans les carrières. La demande des habitants de Kiboki reste le dédommagement et leur délocalisation dans un endroit où il fera bon vivre. Dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité maritime et fluviale lancée par le chef de l'État en août dernier, la Direction nationale de la marine marchande et l'Agence de la navigation maritime poursuivent la distribution gratuite des gilets de sauvetage sur le littoral guinéen. Ce week-end, ce sont les préfectures de Dubreka, Bofa et Kamsar qui ont reçu leur lot. Idrissa Barry pour plus de détails. À Dubreka, les délégués du département des transports chargés de la distribution des gilets de sauvetage ont présenté les lots aux responsables locaux en présence du secrétaire général de la préfecture chargé des collectivités. La remise a été effectuée au port de la ville en faveur de tous les acteurs maritimes. Remercier son Excellence Monsieur le Président de la République et à travers lui son gouvernement pour ce geste de haute portée et surtout la mission aussi qui est venue dans le cadre de la sensibilisation des populations. Après la cité de Mangatoumani, direction Koukoudé dans la préfecture de Bofa. Dans une grande ambiance, l'équipe de distribution des gilets de sauvetage a procédé à la présentation du don du chef de l'État pour la sauvegarde des vies humaines en mer. Avec ce don de gilets, je sais que la mortalité en mer va se réduire parce que les gilets là permettent aux pêcheurs de ne pas se noyer en mer. Ce don vient à point nommé et nous sommes vraiment satisfaits dans la mesure où ces gilets vont contribuer à la sauvegarde de la vie humaine en mer. La dernière étape de cette tournée, le port de pêche de Kamsar. Les usagers de la mer ont fortement apprécié le geste du président Alpha Condé. Avolavola mo bara président na wali sa ira ba fe mo be mo ni ra tanga fe ba ma. Mo tura fa ma nana ra ira ba mo be. Mo mo se fala ma sende be anam be na re na be e ga gilet contre la fanira. Dans tous les débarcadères, des débarcadères qui sont au compte de Boké, chacun est informé pour dire que tous les gilets de sauvetage qui sont donnés ici gratuitement doivent être utilisés. Dans les prochains jours, ce sont les communes de Conakry qui vont être dotées de ces gilets de sauvetage pour une meilleure sécurité de la navigation maritime et fluviale avant que la distribution ne se poursuive en Haute-Guinée.